vidéo. Alors, de deux choses l'une. Soit j'ai un problème d'oreille, soit tu as un grave problème de diction. En attendant, j'ai pas compris ce que tu voulais. Alors, j'essaye encore, mais je suis pas sûr. Météo. Météo. Nabaz'mob on 23 senttiä korkea pikkujänis. Tämä langattoman lähiverkon avulla toimiva laite liikkuu ja antaa valomerkkejä, kun se vastaanottaa viestejä verkon kautta. Kaksi ranskalaista säveltäjää, Antoine Schmitt ja Jean-Jacques Birgé, ovat käyttäneet tätä laitetta luodakseen taideteoksen, oopperan, jossa 100 jänistä kommunikoi. C'est un objet wifi. Et donc il donne aussi bien la météo, les embouteillages sur le périphérique, les cours de la bourse, la pollution de l'air. On a eu envie de pervertir l'objet, qui est très gentil. C'est un peu comme les gens, quand il y en a un tout seul, c'est sympa, mais sans ensemble, ça peut devenir problématique. Et c'est une sorte de paraphrase, on a essayé de faire une sorte de paraphrase de la démocratie, de comment vivre ensemble. Avec toujours à l'idée une préoccupation qu'on a tous les deux quand on travaille ensemble, à savoir le rapport du chaos et du contrôle. Opera Nabaz'mob perustuu aikaeroon, toistoon ja kurittomuuteen. On me pose souvent la question, mais est-ce qu'il y a des lapins qui décident de s'arrêter de jouer? Il est évident qu'il arrive que certains soient malades et on les envoie à l'hôpital. Il y a quelquefois des grévistes, il ne faut pas oublier qu'ils sont français. Donc c'est tout à fait logique. Bon, on ne leur en veut pas si ce n'est pas trop souvent, si ce n'est pas toujours le même. On est assez coulant. Jean-Jacques Birgé käyttää jäniksiä moneen muuhunkin kuin säveltämiseen. Hänellä on kotonaan hyllymetreittäin yllättäviä leluja. on dit oui, c'est une collection, pas du tout, c'est pas une collection, c'est mes instruments, c'est ma boîte à outils, je m'en sers, je les collectionne pas. Strada, Strada.